Yo, tu vas voir Caris sur FIFA 21, ici Monsieur Club Pro, pour vous servir. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment faire Caris à la perfection, ou presque, hein, parce que franchement, on va pas se mentir, mais en termes de modifications, on est trop limité. Franchement, faut vraiment que ça arrive au niveau des oreilles de Ye, faut qu'il bouge, frère. En termes de modifications, on dirait vraiment le Sims de l'époque. Tu vois, tu te rappelles, là, quand tu tapais le code Rosebud, mais là, il n'y a pas Rosebud, c'est FIFA Bad. Hey, réveillez-vous, Ye. Vous avez toute une communauté qui sont en club pro, mais t'as un tout petit peu de côté fut. Mais prenez en considération le mode club pro. Bien sûr, je n'arrêterai pas les meilleurs builds à tous les postes. Ne vous en faites pas, il y aura des postes A, G, A, D, M, D, 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 tout ce que tu veux, il y aura sur la chaîne YouTube MR Club Pro. Donc les gars, n'hésitez pas à partager un max, hein, parce que franchement, faut que ça rentre dans leur cerveau. Et je vous dis, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu, c'est parti. Nous revoilà, donc là, on va préparer un petit Caris aux petits oignons. J'ai mis justement 9-3, Côte d'Ivoire, il est né le 30 janvier 1980. Ça c'est fait pour les petites informations. Bien sûr, on attend toujours cet octogone avec Booba, hein, mais qui va jamais arriver je pense. Hein. Je pense que c'est juste pour blablater un petit peu. On l'attend toujours ça. Pour la corpulence, j'ai mis 1m81 et 115 kg. Il fait 1m81, il n'y a pas d'informations sur son poids, donc j'ai mis 115 kg parce qu'il est quand même assez balèze. Pour la carnation, donc là vous allez switch 1, 2, 3. Et là vous descendez justement, vous allez sur la ligne du milieu et vous choisissez cette petite carnation. Donc là, la petite carnation, c'est fait. Là, vous allez tout à droite, les gars. Vous allez tout à droite. Et là, vous allez sélectionner ce petit œil-là. La morphologie. Regardez bien, vous pouvez mettre vos petits ingrédients sans aucun souci. Ce qui serait cool, en fait, ça serait un petit challenge que je vous mets en place. Ça serait vraiment de reproduire Caris et d'essayer de faire mieux que moi. Et celui qui fait mieux que moi, bah, du coup, il passera dans la prochaine vidéo. Je lui ferai une petite dédicace. Pour les sourcils, choisissez le deuxième petit sourcil parce qu'il a des gros sourcils, mais j'ai pas pu mettre plus épais. J'ai pas pu mettre plus épais parce que normalement il a des gros scratchs et là j'ai pas trouvé les gros scratchs, mais bon, ça fait l'affaire. Donc là après, vous positionnez comme vous voulez. Encore une fois, pour la couleur, j'ai choisi noir. On va passer directement au nez, et donc là vous allez pas chercher midi à 14h, vous choisissez le quatrième nez là de la première colonne. 1 2 3 4, on est bon. Morphologie, je vous montre la petite morphologie. Donc là on est assez correct, hein, je pense. On est allé dans les extrêmes pour accentuer en fait ce côté vraiment Caris, parce que franchement, je vous mets une photo à côté, regardez, ça ressemble, non? Pour la bouche, là vous allez tout à droite, vous allez être le plus à droite possible et là vous allez trouver une petite bouche qui fera l'affaire sans aucun doute. Donc là bien sûr, hein, je vous laisse regarder tranquillement pour que vous ayez un petit peu le temps justement de faire les petits réglages. Choisissez le dernier de la liste, hein, donc prenez vraiment ces petites pommettes là parce qu'il a des petites joues un peu plus surélevées, donc là je pense qu'on est bon. Après, comme dit, hein, le challenge tient toujours, hein. J'ai pas mis trop de rondeur parce que regardez, si je mets trop de rondeur, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Donc là, moi, je préfère rester, tu vois, là. On est bon, là, au petit millimètre, là. On est bon. Pour le menton, là, vous allez choisir celui-ci, là. Il n'y a pas de page suivante, pas de page précédente. On choisit ce petit menton. Là, encore une fois, je vous laisse le temps de faire tranquillement votre petite subtilité. Les oreilles, donc, moi, je pense qu'on est bon en termes d'oreilles. Je pense que ça fait l'affaire, hein. C'est des bonnes petites oreilles des familles, hein. Faut les mettre un peu plus petites là et on est bon. Là on est al dente, les gars. Pour les cheveux, là c'est le plus compliqué, les gars. Non, pas du tout. Vous le mettez chauve, vous rasez tout, bam. Après, couleur de chauve, bah vu que c'est chauve, il n'y a pas de couleur de chauve. Et là, la petite cerise sur le gâteau, vous allez mettre une grosse beubare, hein. Donc merci, merci Ye de faire ce rajout. On peut faire Caris grâce à vous, c'est super cool, hein. C'est vraiment ironique, hein, parce que franchement, je veux plus de modifications. Après, au niveau de la couleur de la barre, je pense que vous l'avez vu, c'est du noir. Petit bonus, hein, donc là, pour la petite célébration, j'ai choisi le petit X. J'espère vraiment que ce concept de vidéo vous plaît, hein. Dites-moi en commentaire, ça nous fera tous plaisir parce qu'on est la Family of Club Pro. Bien sûr, vous pouvez aussi me dire quelle star ou quel joueur vous voulez que je reproduise avec les outils du bord, hein, parce que vous avez vu, on est vraiment assez limité, mais on peut faire des choses assez intéressantes. Et c'est pour ça que je vous mets au challenge de faire mieux. Donc vous pouvez m'envoyer sur Instagram votre Caris que vous avez reproduit, hein. Donc on est là pour se challenger et le gagnant, du coup, il sera directement mis de l'avant dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !